Avant qu'on lui donne ce nom de Closerie des Lilas en 1919, cet ensemble de constructions était connu comme le Brourgarten. C'était alors la cité des cheminots qui était propriété des chemins de fer d'Alsace. La direction occupait le bâtiment des actuelles archives municipales. La cité ainsi que la gare ont été construits sur des terrains donnés par Émile Hubert. Pour l'industriel sarreguemines, tout comme pour les faïenceries, l'arrivée du train à Sarreguemines était vitale. Le premier arrivera le 2 décembre 1865.